Dieu précieux, c'est en ta sainte présence que nous venons de nouveau te demander de purifier notre esprit, nos âmes, afin que nous puissions nous présenter à toi comme un instrument avec lequel tu puisses travailler pour ta seule gloire. Et Père, purifie mes pensées, et mon esprit, et mon langage, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que le Saint-Esprit oigne les lèvres d'argile, qu'il puisse nous apporter la vérité que le Dieu Tout-Puissant aimerait faire connaître à son Église. Et Seigneur, nous te demanderons de repousser des gens tous les démons de trouble et tous les démons d'inimitié et de malice, afin que ceux-ci puissent entendre parler le Saint-Esprit, que Dieu puisse recevoir gloire de notre réunion de ce matin. Et s'il y a une chose dans nos cœurs qui n'est pas exactement conforme aux conditions selon lesquelles tu pourrais nous parler, ô Dieu, jette cette chose aussi loin de nous que l'est l'est de l'ouest. Ainsi, nous ne pourrions que faire la volonté de Dieu. Aussi, conduis-nous par ton Saint-Esprit dans cette discussion sur l'Église et sa doctrine, et ce qu'elle devrait supporter, et pourquoi elle devrait le soutenir, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans la dernière soirée, nous avons donné la pensée pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et c'est simplement parce que dans une dénomination, il y a une barrière. Maintenant, il nous reste beaucoup de choses à discuter. Et hier soir, nous avons dit pourquoi nous n'acceptions pas de femmes ministres. Et ce matin, si c'est possible, nous parlerons sur le baptême du Saint-Esprit et pourquoi nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Et comment le baptême du Saint-Esprit vient et qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il vous fait faire ensuite. Et ce soir, si le Seigneur le veut, je veux parler sur le sujet « La semence du serpent en ce jour ». Maintenant, les gens ne croient pas à la semence du serpent, mais c'est l'Écriture, vous voyez. Maintenant, malgré tout, même si cela se prononce très fort, ce n'est pas pour vous, mon cher peuple. La seule chose que j'essaye de le faire, c'est de le faire entrer. Et nous allons le rendre très fort, vous voyez. Ainsi, vous devez parler comme, vous dites, « Johnny, va t'asseoir. » Peut-être qu'il ne vous écoutera pas, mais si vous dites, frère Branham crie, ce qui suit, nom de l'éditeur, « Johnny, va t'asseoir !» Johnny va commencer à faire plus attention. Ainsi, ce matin, nous allons hurler, « Johnny, va t'asseoir !» Vous voyez? Très bien. Je veux parler afin que vous compreniez ce que nous voulons dire, vous voyez? Et si nous disons quelque chose de contraire à votre pensée et à votre foi, ne sommes pas, rappelez-vous que cette Église est interdénominationnelle. Nous croyons que baptistes, méthodistes, presbytériens, luthériens, catholiques, protestants, juifs, qu'ils soient n'importe quoi, aussi longtemps que c'est un frère, c'est notre frère, c'est tout. Il peut appartenir à n'importe quelle dénomination. Dieu ne le retiendra même pas contre lui. Mais la raison que les dénominations sont... Maintenant, voici ce qui a commencé les dénominations. Dieu va révéler un petit quelque chose à quelqu'un. Ils viennent et ils forment une dénomination autour de cette croyance. Et ainsi, Dieu ne peut pas aller plus loin. Comment les méthodistes pourraient-ils accepter plus que la deuxième œuvre de la grâce? C'est sous cela qu'ils ont formé une dénomination. Comment les baptistes pourraient-ils croire plus que... Le juste veut, ou plutôt les luthériens, le juste vivra par la foi. C'est sous cela qu'ils ont formé leur dénomination. Comment est-ce que les baptistes pourraient aller plus loin qu'ils ne vont? Pourquoi? Quand vous croyez, vous recevez le Saint-Esprit. Vous êtes immergé dans l'eau et tout est réglé. Pourquoi? C'est sous cela qu'ils ont établi leur dénomination. Vous voyez? Pourquoi est-ce que les pentecôtistes croient que quand vous parlez en langue, vous avez le Saint-Esprit et tout est réglé? Parce que c'est sous cela qu'ils établirent leur dénomination. Frères, ces choses peuvent être toutes justes, mais Dieu n'est pas fixé à aucune petite dénomination. Il s'étend simplement au-dessus de tout cela. C'est tout. Et c'est à cela que nous croyons. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes jamais devenus une dénomination.
le Seigneur nous donna l'occasion de fusionner cette petite église avec bien d'autres dénominations. Mais nous ne le faisons pas parce que nous voulons rester comme nous sommes, afin qu'elle puisse rester sous l'autorité et la direction de Jésus-Christ. C'est juste. Et quoi qu'il nous révèle, et nous réalisons que c'est la vérité, et que cela s'accorde avec la parole du commencement à la fin de la Bible, que c'est la vérité, et l'Esprit est d'accord avec cela. Nous n'avons aucune barrière dénominationnelle qui nous retienne pour accepter cela. Et nous avançons dans cela, et nous continuons. Ainsi, quand les dénominations disent, comme l'Église de Jésus-Christ, ils sont sous une dénomination, la soi-disant Église du Christ, que les temps des miracles sont passés et toutes ces choses, comment pourriez-vous jamais trouver cela dans les Écritures? Mais ils ne peuvent rien faire pour cela. Ils ont formé une dénomination sous cela, vous voyez? Vous ne pouvez rien faire contre cela. Mais nous voulons être libres, ou au point où nous pouvons avancer comme l'Esprit avance, par des abîmes plus profonds et des hauteurs plus hautes, et simplement continuer d'aller en avant, en avant, en avant et en avant, jusqu'à ce que... Mais nous n'accepterons aucun fanatisme. C'est justement là que nous traçons une ligne. Si quelqu'un reçoit un petit quelque chose que le Seigneur lui révèle, et si cela ne coïncide pas en plein à travers la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, cela devient une doctrine. Ainsi, nous n'acceptons pas cela, vous voyez? Cela doit venir de la Bible. Et il ne peut pas simplement venir de la révélation de quelqu'un. Si une révélation est en accord avec la parole, cela est bien. Un homme est venu me voir il y a quelque temps. Il m'a dit, « Je viens justement d'arriver aux États-Unis, frère Branham. » Il dit, « Maintenant j'ai fait la connaissance d'une sœur chrétienne. » Et il dit, « Cette sœur chrétienne est une des plus jolies femmes. » Et il dit, « Mais j'ai appris qu'elle avait eu 3 ou 4 maris. » Et il dit, « Je la connais depuis que je suis ici, il y a 3 mois. Elle s'est débarrassée de celui-ci et elle en a marié un autre. » Et il dit, « Et là, le Saint-Esprit, elle parle complètement en langue, tout le temps, régulièrement. » Et il me dit, « Elle donne des prophéties et des révélations. » Oh, c'était vraiment une femme remplie du Saint-Esprit. Et c'était une femme ministre. Et il me dit, « Je suis allé demander au Seigneur pourquoi une pareille chose pouvait être. Pourquoi cette femme pouvait faire cela. » Et il me dit, « J'ai eu un rêve à propos de ma femme. Et ma femme sortait avec un autre homme qui était immoral. » Et alors il me dit, elle vint et s'agenouilla devant mes pieds. Elle dit, « Veux-tu me pardonner pour ce que j'ai fait ?» Et il dit, « Bien sûr, je te pardonne. » Et il dit, « Elle dit, pourquoi me pardonnes-tu si aisément ?» Il lui dit, « Parce que je t'aime. » Et il me dit, « Le Seigneur m'a répondu dans le rêve et il m'a dit, « C'est pour cela que je pardonne à cette femme, parce que je l'aime. » Je dis, « Monsieur, votre rêve était vraiment très gentil. C'est vraiment beau. Mais le Seigneur ne vous l'a jamais donné. Cela ne correspond pas avec sa parole. C'est exact. Cela ne s'accorde pas avec la parole. Peu importe combien réel cela semble, cela doit venir de la parole. » Dans l'Ancien Testament, ils avaient 3 façons de connaître un message. Évidemment, il y avait tout d'abord la loi, puis ensuite c'était par un prophète, ensuite c'était par un rêve. Maintenant, la loi, c'était les oracles écrits qui étaient gardés dans la parole. Et cela était les commandements, et c'était les lois sur les commandements, et c'était gardé dans l'arche. Et ensuite, un prophète pouvait prophétiser, ou un rêveur avoir un songe. Car Dieu opère de 2 manières, avec les prophètes et avec les rêves. S'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi le Seigneur, je me ferai connaître à lui dans des rêves et je me révélerai à lui dans des visions. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Si ce n'est pas le cas, ne l'écoutez pas. Maintenant, quand il prenait un prophétiseur, un prophète ou un rêveur qui avait un songe ou une prophétie, et il voulait savoir si c'était juste ou non, il le conduisait devant ce qui était appelé l'Urim Thummim. Maintenant, je sais
que pour certains d'entre nous, ce sont des paroles assez difficiles. Mais ce qui se passait actuellement, Aaron étant le grand prêtre sur les 12 tribus d'Israël, il avait 6 pierres sur chaque côté de son pectoral. Et chaque pierre était la pierre de naissance d'une tribu, comme la tribu de Juda, la tribu de Gad, la tribu de Ruben, la tribu de Benjamin, chacune avait une pierre de naissance. Et puis quand ces pierres de naissance étaient suspendues à ce pectoral dans l'église, au pilier, et alors quand ils emmenaient ce prophète qui avait une prophétie, qui disait que le Seigneur ferait telle et telle chose, ils l'amenaient là-devant, et il disait sa prophétie ou racontait son rêve. Maintenant, si Dieu était dans ce rêve ou dans cette prophétie, ses lumières commençaient de s'entremêler et cela faisait comme la réflexion des couleurs de l'arc-en-ciel. Une réponse surnaturelle. Voyez, c'est juste. Cela s'accordait avec toutes les pierres là-dedans. Chaque pierre mélangeant sa part en même temps, reflétant la réponse de Dieu. Cet homme est un prophète, il dit la vérité. Ou bien, ce rêve a été donné par moi. Mais si tout cela restait dormant, si cela ne bougeait pas, cela m'est égal combien cela semblait être vrai, c'était faux, et il ne le recevait même pas. Et quelle belle, magnifique illustration aujourd'hui. L'Ourim Toumim de l'Ancien Testament est maintenant périmé, parce que la prêtrise a changé. L'Ourim Toumim actuel, c'est la parole de Dieu, la Bible. Oui, monsieur, ici, devant, la Bible dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit la vérité. Et cela m'est égal combien cela semble vrai quand l'homme le raconte ou combien réel son rêve est ou sa révélation est. Si tous les livres de la Bible entière, ne reflètent pas la lumière sur cela, que c'est la vérité, laissez-le de côté. Laissez-le de côté. Vous pouvez maintenant prendre un petit bout d'écriture ici disant « Jésus a fait ceci et cela et nous devrions faire la même chose. » Vous ne pouvez pas lui faire dire quelque chose que vous voulez lui faire dire, car cela doit venir au travers de toute la Bible et s'aligner parfaitement avec la parole de Dieu. Alors c'est juste. C'est Dieu qui a dit cela. Cette Bible est son Ourim Toumim. De ce fait, dans aucun âge, Dieu n'a eu une église dénominationnelle. Dites-moi quand il en avait une. Et maintenant, il n'y a jamais eu aucune dénomination avant 360 années après la mort du dernier disciple. Et c'est l'Église catholique romaine. Et de l'Église catholique romaine, dans la Bible, Dieu l'a appelée, Apocalypse 17, une prostituée. Et c'est une femme impure. Et de cela est sortie des filles. Et ces filles sont des prostituées, impures, comme elle était. C'est ce que l'Écriture dit. Et l'Église catholique romaine a donné naissance au protestantisme et ils sont revenus, ils ont fait la même chose qu'elle avait fait. Et la raison pour laquelle elle était impure, c'est qu'elle avait une coupe de doctrine dans sa main, le vin de son courant et de ses fornications. Et elle en donna au roi de la terre et elle s'assit sur les grandes eaux et elle régna sur tous ceux qui gouvernent la terre. C'est comme cela que nous le trouvons dans la Bible. Nous avons trouvé qu'elle devait être assise sur cette colline, une église, nous l'avons trouvée. Nous avons trouvé qu'elle fut ornée d'une triple couronne, la juridiction de l'enfer, du ciel, du purgatoire, c'est juste. Et c'est un homme qui est le chef de cela. Il était l'Antichrist, assis dans le temple de Dieu, montrant lui-même qu'il était Dieu, pardonnant les péchés sur la terre. Nous avons eu cela. Nous y avons passé, nous avons vu que c'était juste. Il est dit, voici que celui qui a de la sagesse, et nous trouvons que l'Esprit parlait expressément, celui qui a de la sagesse, celui qui a de la connaissance, celui qui a les différents esprits, les dons, ne pouvez-vous pas voir que Dieu transporte cette église dans les derniers jours? Une église doit s'élever pleine des dons spirituels, les vrais dons de Dieu. Voici que celui qui a de la sagesse a un don de Dieu. Qu'il compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Et nous avons trouvé cela, que c'était exact. Cela ne pourrait pas être plus parfait. Écrivez-vous-même, Vicarius,
qui est le vicaire du Christ, fili de Dieu, vicarius fili dei. Et voyez si cela ne, dans les chiffres romains, et voyez si vous n'avez pas 666. Voyez si cela peut être placé sur quelque chose d'autre, qui vous donne une suspicion ici ou là. Non, c'est à la même place où le reste des Écritures dit qu'elle sera. Et ici, nous y sommes. Bien, les protestants en sortent. Maintenant, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de faire sortir et de montrer que vous, protestants, avez adopté la même doctrine que l'Église catholique. Et nous donnons cela au peuple, ce qui est le même verre de fornication spirituelle qu'elle a donné elle-même. Parce que cela n'est pas selon les Écritures. Cela est fait par les hommes. Cela est de la fausse prophétie. C'est un mensonge. C'est du diable. Et puis, nous découvrons, pour revenir en arrière, pour montrer que l'âge où nous vivons, nous l'avons vu hier soir, qu'un enfant né bâtard, un enfant illégitime, ne pourrait même pas venir dans la congrégation du Seigneur pour 14 générations. Cela ferait 400 ans, 40 ans pour une génération. Oh, comme le péché était horrible! Combien horrible! Pas était, mais ce qu'il est maintenant. Il a dit, vous les avez entendus dire, ceux des temps anciens, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, quiconque est fâché avec son frère sans raison a déjà tué. Il l'a agrandi. Vous les avez entendus dire, ceux de l'ancien temps, tu ne commettras pas l'adultère. C'était l'acte. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis déjà l'adultère avec elle. Il l'a agrandi mille fois. Bien. S'il fallait 14 générations pour que cela disparaisse, que se passe-t-il alors quand la loupe de Dieu se jette sur cela? Les gens aujourd'hui, les jeunes là-bas, dans les gymnases, ayant des parties de bière, et buvant et vivant, et ces petites filles vivant dans l'adultère, ces petits garçons et des choses comme cela, quelle sorte de génération va-t-il venir après celle-ci? Qu'est-ce qui fait que ces petites filles font cela? Leur mère était là, leur grand-mère était une danseuse où elle chantait dans les chœurs, et il dit qu'il visiterait l'iniquité des parents sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Qu'y a-t-il encore à espérer? Et quand tout cela commence d'avoir une fuite et que la semence des justes commence de se mettre de côté, devenant plus mince et plus mince, et les méchants avancent, très religieux, devenant plus méchants et plus méchants et plus méchants, il n'y a rien à faire mais tout détruire, comme il l'a fait dans la destruction au temps du déluge. Chaque pensée des hommes est continuellement pleine de péché. Aujourd'hui, la seule chose à quoi l'homme pense est à une bouteille de whisky, à quelques femmes sortir. Ils ne peuvent même pas vivre fidèles à leurs femmes. Les garçons ne peuvent même pas vivre fidèles à leurs filles. Les filles ne peuvent même pas vivre fidèles à leurs garçons. Ils arrivent à un tel endroit jusqu'à ce que le diable les tienne et les possède avec des esprits si mauvais que tout devient une agglomération de péchés. C'est pour cette raison que nous sommes arrivés au jour. C'est pour cette raison que la Russie est un instrument dans les mains de Dieu pour faire basculer tout cela. La Bible dit cela. Certainement, Dieu emploie le communisme. Il va l'employer. Et le communisme détruira tout selon l'Écriture. Et nous sommes dans ce jour. Maintenant, en sortant ces choses, voyez, écoutez les gens, vous affrontez cela. Et cela détermine votre destination éternelle. Aussi ne le prenez pas à la légère. Regardez dans l'Urim Thummim comment cela s'applique, comment cela affecte la parole. Maintenant que nous parlons de ces choses, regardez si elles coopèrent avec la Bible. Regardez si elles s'accordent avec ce que l'Écriture dit. Maintenant, chaque église, si vous dites « Je suis un chrétien », dans quelle dénomination appartiens-tu? Quelle différence cela fait-il? À quelle dénomination tu appartiens? Nous réalisons que les dénominations n'ont rien à voir avec la Bible de Dieu. Et toutes les dénominations protestantes sont des prostituées. La Bible le dit. Quand vous dites
que vous êtes un méthodiste. Vous êtes un méthodiste prostitué. Quand vous dites que vous êtes un baptiste, vous êtes un baptiste prostitué. Quand vous dites que vous êtes un pentecôtiste, vous êtes un pentecôtiste prostitué. C'est ce que la Bible dit. Ainsi, c'est une mère de prostituée. Maintenant, si c'est tout ce que vous avez, maintenant, si vous vous associez à cette dénomination en restant un chrétien, vous êtes un chrétien. Et vous n'êtes pas un méthodiste, vous n'êtes pas un baptiste, vous n'êtes pas un pentecôtiste, vous êtes un chrétien. Pourquoi, même le, ce matin, comme je m'apprêtais à venir à l'église, j'ai entendu une discussion à la radio. La discussion de la table ronde chrétienne à Louisville. Et les églises ont adopté un programme pour enseigner à leurs enfants la manière moderne de boire. Quelle sorte de bande d'idiots allons-nous produire? Pourquoi cela est-il ainsi? Parce que leur maman et leur papa à la maison n'en connaissent pas plus sur Dieu qu'un Otanto n'en connaît sur une nuit égyptienne. Retirez-vous de cette chose. Vous n'avez pas à vous moderniser. Vous faites des alcooliques quand vous faites cela. Oh, nous allons les laisser faire ceci et les laisser faire cela, et ainsi de suite. À quoi pouvons-nous nous en tenir? Nous ne pouvons pas aller dans une autre génération. Nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes à la fin des temps. Aussi, je ne veux pas que vous me classiez comme une espèce de charlatan. Je le suis peut-être, mais si je le suis, alors je l'ignore. J'ai dit à ma femme qui est assise ici, j'ai dit, « Méda, suis-je devenu un religieux fanatique? Ai-je perdu la tête? Ou est-ce l'Esprit de Dieu qui ne peut pas supporter ces choses, qui crie? Y a-t-il quelque chose ici qui me fait même aller contre ma propre pensée, ma propre volonté? » Je dis, « Il ne peut y avoir que trois choses. Il se peut que j'ai perdu la tête. Si je l'ai perdue, je ne le sais pas. Je suis une personne nerveuse et bouleversée, et cela est simplement ma nature. Mon don fait cela. Mais en tant que ministre, mais j'ai ou bien perdu la tête, ou je suis devenu un fanatique, ou c'est l'Esprit de Dieu. Cela doit être une de ces choses. Mais je ne peux pas supporter de voir les choses. Quelque chose en moi se révolte. Et malgré tout, je sais que d'après la Bible, cela doit arriver. Alors, à quoi cela sert-il de bon de crier? Comment Dieu se tiendra-t-il au jugement? Elle rejettera cette génération s'il n'y a pas une voix qui crie contre elle pour apporter le jugement. Qu'est-ce que les pharisiens auraient été si Jean n'avait pas été là pour crier dans le désert? Quoi de bon cela leur fera-t-il quand je dis « Vous ne devriez pas faire ceci, vous ne devriez pas faire ceci, vous ne devriez pas faire ceci. Ils ne devraient pas le faire. Et vous seriez remplis de l'esprit. » Ils passent et ils disent « Il a perdu la tête, il est fou. » Quelque chose m'est arrivé. Quel sens cela a-t-il de le faire? Parce que Dieu doit avoir une voix. De toute manière, il doit le dire, afin qu'il puisse apporter le jugement, qu'il puisse dire, c'était cela, vous ne l'avez pas ignoré, c'est juste. Et si vous ne criez pas, que fera-t-il? Il y a quelque chose qui crie en vous, vous n'y pouvez rien. Maintenant, nous avons trouvé qu'en prenant le prochain article que nous avons, c'est pour cette raison que nous ne sommes pas dénominationnels. Et nous croyons qu'il y a des chrétiens nés de nouveau, de saintes personnes, chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, ainsi de suite. Nous croyons que l'Église de Dieu est cette semence qui se mélange à travers ce royaume et qui vient, parce que nous avons mentionné hier soir et nous en reparlerons, la prédestination. Non que Dieu nous est prédestiné à être quelque chose, mais par sa préconnaissance. Il peut prédestiner, car il connaît toutes choses. Et hier soir, nous avons trouvé que personne n'avait jamais été sauvé, comme ce soir, et ensuite ait eu son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Votre nom, ou bien était dans le livre de vie de l'agneau avant que le monde ne commence, ou il n'y a jamais été, et il n'y sera jamais. Nous trouvons que quand Dieu a immolé l'agneau avant la fondation du monde, vous avez été immolé avec votre agneau. Le croyez-vous? Nous allons le trouver dans une minute. Tournez-vous vers l'Apocalypse pour commencer. Apocalypse 17.
ou Apocalypse 13, verset 8. Nous découvrons ce que la Bible dit sur le fait que l'agneau fut immolé. Voyez s'il a été immolé en 33 après Jésus-Christ, ou s'il a été immolé quand il a été immolé. Bien. Maintenant, ce sont les États-Unis en prophétie ici, évidemment. Maintenant, nous lisons. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. Qui ? La bête. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Quand l'agneau a-t-il été immolé? Peut-être qu'il y a 100 millions d'années, avant que la fondation du monde ne fût formée, Jésus-Christ mourut pour nos péchés. Oh, maintenant je deviens religieux. Avant qu'il y ait eu un monde, Jésus-Christ mourut pour nous sauver. Bien, vous direz, alors pourquoi Dieu, le Dieu infini, a-t-il permis le péché? Vous savez, il y a des attributs en Dieu. Et si Dieu n'avait pas permis à Satan, il savait quand il créa Lucifer qu'il serait celui qui corromprait le monde. Oh, notre Dieu n'est pas quelque chose de petit poussé dans un coin, mais il est le Dieu infini qui n'a jamais commencé et qui n'aura jamais de fin. Et en lui, il y a des attributs. Il est un sauveur. Et comment aurait-il pu être connu comme sauveur s'il n'y avait pas eu quelque chose à sauver? Comment aurions-nous jamais su qu'est-ce qui fut en premier? Alors que je pose la question, qu'est-ce qui fut en premier? Le sauveur ou un pécheur? Bien, si le sauveur était le premier, et le sauveur est plus haut que le pécheur, comment est-ce que le pécheur peut-il arriver? S'il n'y avait pas eu de pécheur, il ne l'aurait jamais connu comme sauveur. Qui est-ce qui est le plus puissant? Le guérisseur ou un homme malade? Celui qui guérit prend simplement la maladie et la détruit. Qui est-ce qui est le premier? Dieu ou un cancer? Tout d'abord, il y avait un Dieu. Alors pourquoi permet-il la maladie? Parce que s'il peut la détruire maintenant, il pouvait la faire survenir. Et s'il est infini, il savait que cela arriverait. Mais s'il n'y a pas de maladie, alors il ne serait jamais connu comme celui qui guérit. Mais étant donné qu'il est celui qui guérit, il devait y avoir une maladie. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, il sait toutes choses. Maintenant, dans l'Apocalypse 13:8, écoutez. Et l'agneau fut immolé quand? Avant la fondation du monde. Dieu, dans son esprit infini, regardant à travers les courants du temps, il vit ce qui allait se passer et comment il devrait créer et comment il devrait faire arriver tout cela dans le temps et l'espace pour montrer ce qu'il était vraiment. Pourquoi, vous les jeunes, vous les hommes qui avez vos femmes, mettez votre femme sous un test et vous verrez de quoi elle est faite, c'est juste. Mettez un homme sous le test. Agitez une bouteille sous sa bouche. Si c'est un alcoolique, cela vous montrera s'il a été sauvé de cela ou pas. S'il a été un gredin, un adultère, un sale chien qui a brisé le foyer d'autres hommes, dépouillez quelques femmes et commencez par lui. Cela vous montrera de quoi il est fait. C'est juste, certainement. Dieu, pour montrer sa puissance, pour montrer ce qu'il était un sauveur, a permis à un pécheur d'être ici. Comme j'ai dit, comment est-ce que les anges chanteront les histoires de la rédemption quand ils ne savent même pas ce que veut dire rédemption? Mais nous pouvons le chanter. Nous savons ce que c'est que d'être perdu et ce que cela signifie d'être sauvé. Si vous n'avez jamais été perdu, vous ne savez pas ce que c'est d'être trouvé. C'est ceux qui sont perdus qui savent ce que cela signifie. C'est ceux qui sont malades ou qui ont été malades qui savent apprécier une bonne santé quand elle vient. C'est cette vile personne qui marchait dans les rues là-bas, qui n'avait jamais un ami, qui n'avait jamais personne sur qui s'appuyer, qui n'avait même pas quelqu'un pour le regarder et le considérer, c'est cette personne qui sait ce que cela signifie d'avoir un véritable ami sur lequel on peut compter. Certainement, vous devez savoir comment pourrait-on apprécier le rayon de soleil s'il n'y avait pas de nuit? Comment pourriez-vous apprécier un jour clair et magnifique s'il n'y en avait point de nuageux? Comment pourriez-vous apprécier un chaud rayon de soleil l'été s'il n'y avait pas eu d'hiver? La loi du pour et du contre. Je quitte ma prédication. Je ne veux pas faire cela. Bien. Apocalypse
17:8. Juste pour une minute maintenant, pour montrer maintenant quand est-ce que l'agneau fut immolé. Avant la fondation du monde. Apocalypse 17:8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Le livre de vie, depuis quand? Dès la fondation du monde. Quand votre nom fut-il mis dans le livre de vie? Comme je l'ai dit hier soir, l'homme qui a écrit ce chant, il y a un nouveau nom écrit dans la gloire, et c'est le mien, et c'est le mien. Il était bien intentionné. Mais spirituellement, il avait tort. Votre nom n'a pas été écrit le soir où vous êtes venu à Christ. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi, et ne viendront à moi que ceux que le Père a appelés. Tous ceux qui viennent à moi, je leur donnerai la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Pas un seul ne sera perdu. Je n'en perds aucun, car personne ne peut les arracher des mains de mon Père qui me les a donnés. Oh, Saint Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi cette Église croit à la sécurité et à la persévérance des saints, pas dans la forme baptiste, pas dans la forme presbytérienne, mais dans la forme biblique. Bien, vous dites, maintenant, frère Branham, je pense une fois dans la grâce, toujours dans la grâce. Cela apporte beaucoup de disgrâce. Mais quand un homme ou une femme est né de l'Esprit de Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et il est né, et il a été béni par le Dieu éternel. Et ils ne peuvent pas plus périr que Dieu lui-même ne peut périr. Vous voulez me dire que Dieu, un Dieu infini, descendrait et vous donnerait la vie éternelle, sachant qu'il va vous perdre? Il vous sauverait ici en sachant qu'il vous perdra là? Pourquoi vous a-t-il sauvé? Il travaille contre lui-même. S'il vous a sauvé une fois, vous êtes sauvé pour l'éternité. Pas un seul démon en enfer ne pourrait vous ennuyer. Maintenant, le Dieu infini qui pouvait dire la fin avant le commencement, et alors vous sauver ici cette semaine, et sachant que l'année prochaine vous tomberiez et il vous perdrait, pourquoi leur fait-il tout ce travail-là? Cela serait insensé. Je ne ferais pas cela. Si je faisais de vous mon ami aujourd'hui, sachant que vous seriez mon ennemi demain, alors je ne le ferais pas. Je vous laisserais bien tranquille, voyez? Dieu vous fait son serviteur aujourd'hui parce qu'il sait. Et il savait avant que vous ne veniez sur la terre, quand il faisait le calcium qui vint dans votre corps, quand il créa la lumière cosmique qui est en vous, le pétrole et tout ce dont quoi vous êtes fait, quand Dieu le créa sur la terre, il connaissait toutes vos fibres et ce que vous vouliez faire. Comment est-ce que le Dieu infini? Oh, il me faut marcher prudemment aujourd'hui, car demain je pourrais retomber et être perdu. Alors vous n'étiez pas sauvé au commencement. Vous pouvez être tout retourné sous des émotions. Vous pouvez simplement penser que vous êtes sauvé. Vous pouvez vous sentir sauvé. Vous pouvez croire que vous êtes sauvé. Vous pouvez joindre l'Église. Vous pouvez être un bon baptiste, méthodiste ou pentecôtiste. Cela n'a rien du tout à faire avec cela. Si votre nom est toujours, si vous êtes vraiment sauvé, vous étiez sauvé avant que le monde n'ait commencé. Quand Dieu, dans sa pensée, envoya Jésus pour sauver celui qu'il voyait pouvoir être sauvé. Maintenant, il ne veut pas qu'aucun ne périsse. Il ne le veut pas. Mais s'il est Dieu, il savait qui serait sauvé et qui ne le serait pas. L'Écriture le dit. Ainsi, voilà où vous en êtes. C'est pourquoi nous sommes différents des baptistes, des méthodistes et des personnes soi-disant pensant de la doctrine de Calvin. Mais le calviniste... Calvinisme est juste. Alors nous arriverons du côté des Arminiens. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Les œuvres. C'est le groupe de la sainteté. Les œuvres. Béni soit Dieu. Je laisserai mes cheveux pousser, les femmes. Et, oh, louange à Dieu, je ne mettrai point de shorts et je ne mettrai point de manches courtes. L'homme veut ainsi de suite. Cela n'a rien à faire avec le royaume. Non, monsieur.
Vous pouvez laisser pousser vos cheveux longs. Vous pouvez mettre les robes que vous voulez. Vous pouvez faire ceci, cela ou autre. Cela n'aura absolument rien à faire avec cela. Vous n'êtes pas sauvés à cause de vos habits. Si c'était ainsi, Dieu aurait simplement fait des patrons de ce genre. Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Vous êtes sauvés parce que Dieu vous sauva par la grâce. Et vous faites cela seulement en appréciation. La décence, ou comme quelqu'un vous dira cela, vous faites ces choses en appréciation. Les œuvres, c'est ce que je fais pour Dieu. Et si je ne prêche plus un autre sermon, et que je vis ici 150 ans, je serai quand même sauvé, certainement. Je ne suis pas sauvé parce que je suis un prédicateur. Je suis sauvé parce que c'est la grâce de Dieu qui me sauve. Il n'y avait pas une chose que je puisse faire pour le mériter. Je suis maintenant traduit en justice pour 500 000 $. Et ils me disent, cet argent que vous avez reçu là-bas pour payer vos factures, c'était à vous avant que vous payiez vos factures. Vous l'avez donné à votre église, mais tout d'abord, c'était à vous. Je dis, mais je n'ai jamais rien fait pour cela. Ils dirent, mais si. Ils dirent, vous leur disiez que vous prendriez une offrande d'amour. Je dis, je veux que quelqu'un me dise quand cela était. Mais alors vous avez sollicité par la poste. Je dis, allez chercher à mon bureau, pas un centime. Vous savez, la Bible dit, ne pensez pas à ce que vous direz, car il vous le sera donné dans cette heure. Et assis là, avec ses procureurs fédéraux et chacun d'eux me bousculant d'une place à l'autre, et moi sachant tout juste mon ABC avec ces hommes intelligents qui sont habitués à vous faire dire des choses que vous ne voulez pas vraiment dire, maintenant comment pouvez-vous égaler quelqu'un comme cela? Mais il ne pourra jamais égaler l'esprit de mon maître. L'Écriture dit, ne prends aucune pensée quand tu es traduit devant les rois et ceux qui gouvernent. Je sais comment j'ai dépensé l'argent que j'ai pris là-bas, mais ils dirent, je n'en suis pas si sûr. Pourquoi alors les administrateurs n'ont pas fait ceci, cela et cela? Je dis, et alors, vous m'appelez malhonnête? Ils dirent, nous pensons que vous êtes très honnête. Ils dirent, je vais vous dire quelque chose, monsieur Branham, ce gouverneur. Je dis seulement ceci pour la gloire de Dieu et spécialement pour les jeunes. Il dit, je vais vous montrer quelque chose pour vous montrer que si vous vivez par la Bible, Dieu vivra par vous. Et si votre esprit n'est pas d'accord avec ce que Dieu dit, alors vous ne vivez pas par la Bible. Vous vous rappelez hier soir quand nous parlions des femmes prédicateurs, quand elles disent, oh, je crois que le Saint-Esprit m'a appelé à prêcher, et ainsi de suite, comme cela. La Bible dit, si un homme dit qu'il est un prophète ou simplement spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est le commandement du Seigneur. Mais s'il veut être ignorant, laissez-le dans son ignorance. Ainsi, quand vous entendez des hommes dire qu'ils croient aux femmes prédicateurs, cela montre qu'ils ne sont pas justes avec Dieu ou qu'ils ne connaissent pas la vérité. C'est la vérité. L'Écriture le dit, nous le trouvons ici. Et cela coïncide dans les Écritures. Maintenant, cela m'est égal combien cela semble vrai, si c'est contraire, ce n'est pas juste. Maintenant, nous allons prendre quelque chose ici. Notez, Dieu, le Dieu infini, qui fait la terre et le ciel, et qui connaît toutes choses, et qui les connaissait avant même que le monde fût formé, toutes les puces, toutes les mouches, tous les moustiques, et tout ce qui serait, si vous vivez par sa parole. Alors j'étais là, devant ses procureurs. Et ce procureur vint près de moi et dit, nous n'essayons pas du tout de dire que vous êtes malhonnête. Il dit, vous étiez ignorant du fait que si quelqu'un vous donnait de l'argent, c'était d'abord le vôtre. Il dit, vous avez signé un chèque de M. Miner Argenbright de Californie, de l'Association des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile, pour tant de milliers de dollars. Et le même jour, vous l'avez retiré de votre banque et vous avez acheté 4 ou 5 tickets pour un voyage outre-mer, à peu près 25 000 $. Je dis, oui, monsieur. Il dit, vous devez payer des impôts sur cela. Mais je dis, nous étions dans la même banque, il m'a donné le chèque, et je l'ai passé à la banque, et j'ai inscrit directement pour les tickets. Il dit, si vous avez eu le chèque une minute, il dit, la moitié de cela était à vous. Vous l'avez eu une demi-minute, c'était à vous pour une demi-minute, avant qu'il ne devienne la propriété de l'Église. Il dit, vous devez des impôts sur cela. Mais il le donna à l'Église.
Il paya les impôts sur cela et il l'a donné à l'Église. Il le donna à vous. Et je dis, mais vous payez des impôts sur cela, cela va à l'Église. Alors cela n'est plus imposable. Il dit, nous n'imposons pas votre Église, nous vous imposons. Je dis, alors pourquoi? Je dis, le même homme qui a signé son nom, l'impôt fédéral, ils m'ont dit de le faire de cette manière. Il dit, oh, mais cet homme n'est plus avec le gouvernement. Je dis, ceux qui ont écrit la Constitution ne sont-ils plus avec le gouvernement? Et c'est pourtant toujours valable. Je dis, un jour, vous ne serez plus avec le gouvernement. Et que dites-vous alors? Je dis, quelle sorte de gouvernement sert-on? Certainement. Mais alors, et l'autre homme dit, Monsieur Branham, il dit, nous trouvons ici, laissez-moi vous montrer que nous savons où sont passés chacun des centimes que vous avez dépensés. Je dis, très bien. Il dit, voici un endroit, vous avez eu une assemblée au Canada, en Alberta, et là, ils vous ont donné une offrande d'amour de 3 000 $. Je dis, oui, monsieur. Il dit, et le dimanche suivant, vous êtes parti, et vous avez trouvé une vieille église, et ils adoraient dans cette église qui n'avait pas de toit, et vous avez donné ces 3 000 $ à ces gens pour bâtir une église. Je dis, c'est exact. Il dit, mais vous devez payer des impôts sur cela. Il dit, vous l'avez donné à l'église, dit-il. Voyez-vous, mais c'était à vous avant que cela n'appartienne à l'église. Il dit, est-ce que ce n'est pas la vérité qu'un tel homme, et je ne nommerai pas son nom car beaucoup de vous le connaissent, sa maison a brûlé ici dans la campagne, et vous revenant de votre assemblée, vous aviez 1 500 $. Maintenant, cela peut paraître comme beaucoup d'argent à l'un d'entre vous, mais ces 15 jours pour me reposer me coûtent presque 100 $ par jour pour prendre soin du bureau et des autres affaires. Et il dit, vous aviez ces 1 500 $. Et l'homme de qui la maison brûla, il avait à peu près 6 enfants, et vous lui avez donné ces 1 500 $. Bien sûr, ils avaient mon chèque, tout était étalé là. Je dis, c'est juste. Je dis, qu'auriez-vous fait? Un homme avec 5 enfants, vivant dans une tente, par 0 degré et de la neige au sol. Vous croyez que je pouvais rester dans une maison décente, sachant que cet homme et ses petits-enfants grelottaient, emmitouflés dans des manteaux, avec de l'argent qui pouvait l'aider? Il dit, est-ce vrai qu'un homme mourut dans une ruelle là-bas? Il venait du Kentucky, il n'avait même pas assez d'argent pour ses funérailles, et vous l'avez enterré, et vous et votre femme avez pris de l'argent, et vous êtes descendu à J.C. Penney's. Il sortit le chèque, il dit, vous avez dépensé plus de 200 $ seulement en habits pour ses enfants. Je dis, c'est juste. Il dit, n'est-il pas vrai qu'une vieille femme juste ici, dans cette certaine ville, qui vivait alors à New Albany, il dit, et vous leur avez donné 300 et quelques $ pour payer une facture en retard sur leurs épiceries, car ils ne voulaient plus la servir, et vous avez payé près de 500 $ pour leur location, car ils voulaient la mettre dehors pendant l'hiver. Vous avez payé leur location jusqu'au mois de juin prochain et vous avez accepté de nouveau leur facture d'épicerie qui se montait à 1 400 ou 1 500 $. Je dis, je me rappelle très bien ce cas, une vieille maman qui avait 80 ans avec une fille souffrante et un garçon prédicateur en Géorgie qui souffrait des rhumatismes tenant le lit et qui n'avait aucun autre soutien. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je dis, oui, je l'ai fait. Il dit, est-ce que votre conseil d'administration le savait? Je dis, non, monsieur, il ne le savait pas. Votre femme le savait-elle? Je dis, non, monsieur, elle ne le savait pas. Il dit, alors pourquoi l'avez-vous donc fait? Je dis, parce que mon Seigneur a dit, ne laisse pas ta main gauche savoir ce que fait ta main droite. Je dis, avez-vous une autre loi plus grande que la loi de Dieu? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vint à mon aide de la manière magnifique qu'il le fait. Vous dites des choses subconsciemment, ne sachant pas ce que vous dites, si vous laissez simplement le Saint-Esprit parler. Je dis, si vous proclamez que je dois cela, je dis, je ferai de mon mieux. Je dis, je ne suis plus un petit garçon, et je ferai tout mon possible pour le payer. Je dis, je ne dois rien à personne que je sache. J'ai essayé d'être honnête, j'avais des milliers de dollars de dettes, et je les ai repayés à 1 $ par semaine, mais par la grâce de Dieu, je les ai payés. Je dis, si vous proclamez me prouver que je dois cet argent que j'ai donné à ces gens,
Et il me montrait que j'avais donné près de 20 000 dollars comme cela. Et il dit, les administrateurs n'en savaient rien. Et alors il dit, bien. Et il dit, je dis, ce qui me peine, c'est de savoir que ces pauvres vieilles veuves et orphelins, ils doivent aussi maintenant avoir à payer des impôts sur cela, ou mourir redevables au gouvernement. Je ne savais même pas ce que je disais. C'était le père qui parlait, et je ne le savais même pas. « Oh, dit-il, non, ils n'auront pas besoin de payer des impôts sur cela. » Je dis, « Pourquoi est-ce qu'ils n'auront pas à en payer ?» Il dit, « Voyez, c'était un cadeau non sollicité. » Alors le Saint-Esprit me réveilla. « Oh, je dis, alors un don non sollicité n'est pas imposable ?» Il dit, « C'est juste. » Je dis, « Alors je ne dois rien du tout au gouvernement, car je n'ai jamais pris une seule offrande dans ma vie. » Alors, mon avoué se leva et dit, « Monsieur Branham, pouvez-vous ?» Je dis, « Je peux vous faire avoir 2 millions de lettres à Washington et prouver que je n'ai jamais pris volontairement une offrande. » Il dit, « Mais quand vous allez dans ces assemblées, et cet argent qui est pris par ces pasteurs pour payer cela, il dit, « Vous avez bien une entente que vous recevrez quelque chose ?» Je dis, « Non, rien du tout. » Il dit, « Alors, est-ce que vous ne sollicitez pas par la poste ?» Je dis, « Rien du tout. » Il dit, « Comment recevez-vous donc votre argent ?» Je dis, « Ce que les gens m'envoient. » Maintenant même, je regarde en face de moi des gens qui m'envoient leurs dîmes continuellement. Je ne leur ai jamais demandé. Ils le font tout simplement. C'est le Saint-Esprit. Il est capable de prendre soin des siens. Et il dit, « Alors, Monsieur Branham, il dit, « Pouvez-vous le prouver ? Pouvez-vous me faire parvenir des lettres vieilles de 8 ou 10 ans et qui prouve que vous avez reçu ces offrandes sans sollicitation ? Je dis, tout ce que vous en voulez. » Il dit, j'en veux 3 pour chaque année. Je dis, très bien, vous les aurez. Il dit, alors, voulez-vous me donner la clé de votre case postale ? Laissez votre courrier s'accumuler pendant 2 ou 3 jours et vous viendriez avec moi pour l'ouvrir ? Je dis, oui. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi venir à mon bureau. Il dit, « Quelle sorte de sollicitation faites-vous donc ?» Je dis, « Aucune. Qu'envoyez-vous par la poste ? Des tissus de prière. Percevez-vous quelque chose pour cela ?» Je dis, « Venez lire les lettres que j'envoie avec ces tissus de prière. » C'était fini. Maintenant, le gouvernement me doit tous les impôts que j'ai payés dans les 20 dernières années. « Oh, ne prenez pas garde à ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez. » C'est le Père qui demeure en vous qui parle. Voyez, c'est pourquoi nous croyons qu'il faut rester avec la parole. Cela sera peut-être long, mais cela arrivera exactement en accord avec la parole. Maintenant, c'est pourquoi nous croyons que la Bible nous dit que le Père immola l'agneau avant même que le monde ne soit formé et ne commence d'exister. Et quand il immola l'agneau, il mit dans le livre de vie le nom de tous ses enfants qui viendraient. Et nous vivons simplement d'après cet âge jusqu'à ce que tout soit fini. Vous voyez ce que j'entends? Le Dieu infini savait cela, et avant que le monde ne commence, il vit le programme qu'il y avait à faire, et il le fit. Maintenant, rappelez-vous que comme grand maître constructeur, le Père, quand il fit le monde et qu'il mit le calcium, la potasse et le pétrole et tous ces différents éléments qu'il faut pour faire nos corps, il savait tout sur cela. Il savait quelle forme un corps aurait avant même qu'il ne fût créé. Certainement, il connaît aussi sa destination éternelle et il savait quelle sorte d'esprit les habiterait. Et maintenant, avant que nous puissions finir ce sujet, nous aurons à le reprendre ce soir dans la semence du serpent et dans la semence de la femme, et le faire descendre et vous montrer pourquoi il en est ainsi. Vous verrez comment la semence du serpent descendit, et comment la semence de la femme descendit, comment la semence du serpent commence de prédominer, devient plus grande et plus grande, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un très petit nombre de noms inscrits depuis la fondation du monde. Mais quand le corps sera né, et que ce dernier nom qui est sur le livre sera reconnu ici sur la terre, les livres seront fermés. Car tout sera complété. L'histoire de la rédemption a été complètement lue. Celui qui écoute ma parole
et croient à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il ne passera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et ce n'est pas celui qui veut ou celui qui court, c'est Dieu qui montre sa miséricorde, dit l'Écriture. Ce n'est pas celui qui veut. Beaucoup de gens disent, je vais joindre l'Église, je serai un bon gaillard, je ferai ceci. Oh, ça n'a rien du tout à faire avec cela. C'est Dieu qui montre sa miséricorde. Maintenant, vous voyez, quand Dieu commença, il y a sept esprits de Dieu, comme les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Et si vous l'avez déjà remarqué, un morceau de verre à trois angles reflète sept couleurs parfaites. Avez-vous déjà essayé cela? Mettez un morceau de verre à trois angles. Ce n'est seulement qu'un morceau de verre, mais à trois angles, il reflétera sept couleurs. C'est comme cela que le Père, Fils et Saint-Esprit, étant un, reflètent les sept attributs spirituels de Dieu. Et maintenant, le premier grand esprit de Dieu, qui est l'amour. Dieu, comme le grand arc-en-ciel, nous ne pourrions imaginer quelle apparence il a. Mais disons qu'il ressemble à un arc-en-ciel, en esprit, l'esprit parfait de l'amour, rouge, bleu, l'esprit parfait de la communion, simplement tous les esprits parfaits. Et alors il commence de descendre, et vous arrivez de l'amour philéo, ou de l'amour agapao à l'amour philéo, et descendre jusqu'à la luxure et jusqu'au plus bas. Et alors, Dieu lui-même devint un homme, Jésus, et il descendit de la même manière dans les puits de l'enfer les plus profonds pour en retirer ceux qu'il connaissait depuis la fondation du monde, ceux dont les noms étaient inscrits dans le livre, et il les racheta pour lui-même. Voilà l'histoire de la rédemption. Et cela ne sera pas complètement connu avant que nous le voyons et soyons comme lui. C'est pour cela que nous ne sommes pas une dénomination. C'est pour cela que nous ne coopérons pas. Oh, nous coopérons dans tout ce que nous pouvons pour Dieu. Mais c'est pour cela que nous ne sommes pas une dénomination. Car c'est des dénominations que viennent toutes ces choses fausses. Comme je le disais, je frappe fort, car je veux que cela s'enfonce. Maintenant, là-bas dans l'église de quelqu'un d'autre, je ne penserai pas à ces choses. Je serai suffisamment chrétien et frère pour rester simplement sur les grands principes sur lesquels nous sommes tous d'accord. Voyez? Mais c'est seulement qu'on ne veut pas tricher. Hier matin, je parlais à un jeune garçon où je chassais l'écureuil, là-bas tout en bas dans les montagnes du Kentucky. Et je n'avais pas remarqué la petite affiche qui était postée dans les bois. J'étais assis de l'autre côté, et je croyais que c'était frère Banks qui arrivait par le bois. Lui aussi faisait la chasse à l'écureuil dans le même territoire. Et je le vis venir, et je sifflais le jeune homme. Je croyais que c'était frère Wood, car il était habillé exactement comme lui. Il se retourna, et je vis que ce n'était pas lui. Et frère Wood m'avait dit qu'il y avait un endroit là-haut où il y avait un panneau, et je ne le savais pas. Il n'y a pas de barrière limitrophe, simplement les bois. Et comment saurais-je de quel côté appartient tel arbre d'Ikorui. Aussi, j'étais assis là, écoutant les écureuils décortiqués, je pensais, ce soir, je vais à la maison et je vais commencer la réunion. De nouveau, je vais reprendre le collier. Et il commença à pleuvoir, et la tempête soufflait, et je vis ce jeune homme. Je lui parlais, j'allais là-haut, et réalisais que j'étais sur son terrain, voyez. Et je lui parlais, et il dit, « Oh, ça ne fait rien. » Il dit, « Chassez où vous voulez. » Et je dis, « Bien. » Il dit, « Vous n'étiez pas sur mon terrain. Vous étiez assis derrière cet arbre Hickory. » Il dit, « De ce côté de l'arbre Hickory, c'est mon terrain. » Mais il dit, « Cela ne fait rien, frère Branham. Chassez où vous voulez. Venez chez nous. Papa aimerait vous voir. » Voyez. Je dis, « Bien. » Nous parlâmes de la Bible. Alors, quand nous, sur un sujet de chasse, il dit ceci, il dit, « Frère Branham, personne ici ne s'en fait pour quelqu'un qui chasse. » Mais il dit, « Mon papa était là-bas un jour, et quelques chasseurs de la ville vint et il tua un de ses moutons qui pesait 60 à 70 livres. » Et il commença
a appelé le gaillard et celui-ci tira contre lui avec une carabine. Il dit, c'est cela qui gâche tout. Il dit, nous n'aimons pas chasser. Voilà, c'est de la même chose que je parlais. Cela m'est égal à quelle dénomination vous appartenez. Mais restez avec la Bible et avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre dénomination qui vous inquiète. Vous avez aussi bon temps d'appartenir à l'une qu'à l'autre, mais c'est de rester avec la Bible ou accepter des dogmes faits par les hommes. Restez avec la Bible. Maintenant, ils ont amené une dénomination, ce qui était faux. Ensuite, la chose suivante qu'ils ont amenée, qui était une erreur, c'était le baptême d'eau. Le baptême d'eau, tel qu'il est enseigné dans la Bible, doit se faire par immersion. Mais les catholiques ont adopté l'aspersion ou l'infusion. Et il n'y a pas une écriture dans la Bible qui supporte asperger ou verser. Il n'y a aucun endroit que vous puissiez trouver dans la Bible. C'est par immersion. Alors, après l'Église catholique, vint l'Église luthérienne qui versait, et après vint l'Église anglicane, et ainsi de suite. Mais alors vinrent les baptistes et les campbellistes, et ils revinrent à l'immersion. Et quand Satan vit cela, il leur donna simplement un faux nom dans lequel immerger. Et ils commencèrent d'employer le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas un mot d'écriture dans la Bible où quelqu'un ait été immergé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et celui qui enseigne cela est un faux enseignant. Maintenant, je vous ai dit que je le prouverai. Maintenant, si vous ne pensez pas que cela est juste, je veux votre question sur cette estrade me le montrant. Si vous pouvez me montrer un endroit où quelqu'un a été baptisé dans la Bible au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, je vais me mettre un signe dans mon dos comme un faux prédicateur. Et je vais aller dans les rues en criant à tue-tête avec mes mains en l'air, un faux docteur. Mais il n'y a aucune chose comme cela. D'où cela vint-il? Maintenant, allez en arrière. C'est ce côté-là de la Bible. Vous devez prendre l'histoire. Les catholiques croient beaucoup de Dieu. Et ils ont coupé le seul et unique Dieu en trois dieux différents. Et écoutez-moi, il y avait une chose horrible dans le journal l'autre jour concernant un grand homme que nous savons tous être un serviteur de Dieu, Billy Graham. Nous avons le rapport. Frère Biller là-bas, là. Quand un certain demanda à Billy Graham, qu'est-ce qu'était cette grande contradiction sur la Trinité? Y a-t-il actuellement trois dieux ou qu'est-ce qu'il y a? À un endroit, il semble qu'il y a trois dieux et à un autre, il semble qu'il n'y a que... Billy Graham dit, cela n'a pas été révélé. Personne ne le sait. Mais s'il y a trois dieux, nous sommes alors des païens. Comme les Juifs dirent, quel est votre Dieu? Le Père, le Fils, est-il votre Dieu? Ou le Saint-Esprit, est-il votre Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce n'est pas trois personnalités, car une personnalité doit être une personne. Il ne peut pas être une personnalité sans être une personne. Vous savez tout cela. Comment quelque chose peut être une personnalité sans être une personne? Oh, ils disent, nous ne croyons pas en trois dieux personnels, nous croyons en trois personnalités du même Dieu. Mais avant qu'il y ait une personnalité, il doit y avoir une personne. Alors qu'est-ce que c'est, direz-vous? Ce n'est pas trois dieux, c'est trois fonctions du même Dieu. Au commencement, il était le Père qui surplombait le désert dans la flamme de feu, le buisson ardent. Il y a un espace blanc sur la bande originale, note de l'éditeur. Paternité, Dieu, justement comme je viens de dire, condescendant, descendant, c'était l'ordre le plus haut, l'esprit, l'agapao, le zoé, la vie de Dieu, lui-même en la forme de la colonne de feu. Et le même, après avoir été dans la paternité, devint le Fils. Et l'esprit qui était dans le buisson ardent était dans l'homme, Christ. Et il apporta la même évidence que le feu. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Chaque arbre portera de ses fruits. Et après, quand il devint homme, voyez, du surnaturel, il tomba dans quelque chose de tangible qui pouvait être touché un corps. Et par ce sacrifice de la mort,
et le sacrifice suprême de cet unique Dieu, Jésus. Il a dit, « Moi et mon Père sont un, mon Père demeure en moi. » Personne ne pourrait lire cela plus clairement. Ils dirent, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jean 14, 8, il dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu ?» Il dit, « Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu, a vu le Père. » C'est comme une dame une fois. Elle sauta, et elle dit, « Pourquoi, frère Branham ?» Elle dit, « Le Père et le Fils sont un, comme vous et votre femme sont un. » Je dis, « Oh non, ce n'est pas la même chose. » Je dis, « Vous me voyez ?» Elle dit, « Oui. » Je dis, « Est-ce que vous voyez ma femme ?» Elle dit, « Non. » Je dis, « Alors, ce n'est pas la même sorte d'unité. » Jésus dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père demeure en moi. Ma femme ne demeure pas en moi. » Voyez, ils sont un. Dans tous les sens, ils sont un. Et ma femme et moi, nous sommes un par agrément ou accord. Nous sommes un en association, mais nous avons deux personnalités. Ma femme peut penser à quelque chose et moi autre chose. Et nous sommes deux personnes, mais pas avec Dieu. Dieu et Christ, la même et semblable personne. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est le même Esprit de Dieu demeurant dans les personnes pour lesquelles il est mort et il mit leur nom dans le livre de vie de l'agneau et qui était un avec lui au commencement. C'est ce que l'Écriture dit. Jésus ne leur a-t-il pas dit qu'ils étaient avec lui avant la fondation du monde ? Votre esprit est noirci et assombri. Nous sommes tous à ces choses, mais nous ne sommes pas seulement quelques petits incidents qui s'est produit ici-bas. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, au commencement de la création de Dieu. Et nous avons été placés ici comme témoins pour témoigner de la grâce de Dieu qui a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons un esprit éternel. Et personne, et c'est impossible de l'arrêter. L'Église de Dieu sera là aussi sûre que cela peut être sûr. Comme nous parlions, pour reprendre le petit sujet seulement pour une minute, comment l'enfant illégitime ne pouvait pas entrer dans le royaume pour 14 générations, 400 ans, et comment l'iniquité des parents serait visitée chez les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussi la droiture des parents est visitée. Ce que vous faites, s'il y a une venue demain et que vous ayez un arrière-petit-fils, votre action aujourd'hui déterminera ce qu'il sera alors. Car nous lisons dans la Bible, quand ce Melchisédek rencontra Abraham, qui retournait du massacre des rois, et Abraham, le patriarche, lui donna le dixième, une dîme de tout ce qu'il avait, et alors il dit que seulement les Lévites pouvaient accepter la dîme. Mais il dit que Lévi qui reçut la dîme, paya la dîme quand il était encore dans les entrailles d'Abraham. Oh, saisissez-vous cela, Abraham était l'arrière-petit-fils de Lévi. Et ici, Lévi, après au moins 8 ou 10 centaines d'années, plusieurs centaines, je ne pourrais pas vous dire combien, il faudrait que je le cherche à travers les générations, mais Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Lévi, et ici Lévi, Jacob serait son père, Isaac son grand-père, Abraham son arrière-grand-père. Et quand Jacob était dans les entrailles d'Abraham, la Bible dit qu'il paya la dîme à Melchisédek. Et alors, cette jeune génération qui sort, qui fume, qui boit, et toutes ces choses, comment une autre génération peut-elle encore exister? La raison pour laquelle nous avons le péché avec la délinquance juvénile, la raison pour laquelle nous avons des petites filles dans la rue et des petits garçons, c'est parce que leur mère et leur père firent ce qu'ils ont fait dans l'âge précédent. Et la raison pour laquelle nous avons encore des prédicateurs qui s'en tiennent à la vérité, la raison pour laquelle nous avons encore des filles à l'ancienne mode, c'est parce que leurs parents derrière eux vivaient à l'ancienne mode. C'est exactement juste. Nous avons toujours des prédicateurs qui se tiennent sans compromettre avec les dénominations sur la parole. C'est parce que nous avions des prédicateurs à l'ancienne mode qui tinrent bon sur le même terrain. Oui, monsieur, maintenant nous sommes dans ce jour. Et nous voulons dire à certaines dénominations
La raison pour laquelle nous ne sommes pas une dénomination, c'est parce que si nous étions une dénomination, nous devrions nous soumettre à toutes ces choses. Et rappelez-vous, cherchez les Écritures où vous voulez, et vous ne trouverez aucun endroit dans la Bible où quelqu'un a été baptisé par aspersion, par infusion, ou au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, si ce n'est pas dans l'Écriture, cela a dû commencer quelque part. Comme je dis, assis sous un grand arbre, le regardant, oh, il peut être comme immaculé, il peut être gigantesque, il peut être puissant, mais il avait un commencement. Il a dû commencer. Et toute chose, cette religion des anciens temps que nous supportons si vaillamment, cela a dû commencer quelque part. Cela a dû avoir un commencement. Et tous les ismes que nous avons, cela a dû avoir un commencement. Et les fausses écritures que nous employons dans nos dénominations ont dû avoir un commencement. Et si nous disons, je suis un méthodiste, vous avez dû avoir un commencement. Et si vous dites, je suis un baptiste, vous avez dû avoir un commencement. Vous dites, je suis catholique, vous avez dû avoir un commencement. Vous dites, je suis un chrétien né de nouveau, vous avez dû avoir un commencement. Vous avez dû l'avoir. Retournez et trouvez où cela a commencé. Retournons au commencement du film. Alors, s'il n'y a pas de dénomination dans la Bible, alors les dénominations ont dû avoir un commencement. Cela a commencé avec l'Église catholique. Les protestants descendent simplement d'elle. Alors, si la Bible dit que c'était une femme malfamée à cause de sa doctrine, elle a commis de la fornication spirituelle, qu'est-ce que la fornication ? Rappelez-vous, nous l'avons déjà expliqué. C'est une femme qui vit avec son mari comme si elle était vierge. Elle n'a jamais été corrompue tant qu'elle vit avec son mari. Mais qu'est-ce que l'iniquité ? L'équité pervertie. Laissez-la vivre avec un autre homme, elle est condamnée. C'est la droiture pervertie. Maintenant, si les dénominations sont fausses, si elles étaient justes, Dieu dirait, maintenant nous aurons des dénominations. Et si l'Église catholique a été prononcée dans la Bible comme étant une prostituée injuste, parce qu'elle a donné à sa congrégation sa propre théologie et non la Bible, frères, sœurs, l'Église catholique ne vous rit-elle pas en face à propos de la Bible? Ils disent, peu importe ce que dit la Bible, c'est ce que l'Église dit, ce que leur dénomination dit. Alors, comment pouvez-vous les appeler faux quand vous les tenez sous un baptême du Père, Fils, Saint-Esprit, quand la Bible condamne? Parce que les méthodistes disent comme cela, les baptistes disent comme cela. Pourquoi seriez-vous d'accord d'asperger et de verser quand il n'y a rien de cela dans la Bible? Il n'y a aucun endroit où quelqu'un a pu baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Alors pourquoi le faites-vous? Voyez, c'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Nous n'avons pas à les approvisionner. Quand l'Esprit montre la lumière sur l'Écriture, nous restons avec l'Écriture et le « ainsi dit le Seigneur ». Et voilà, il n'y a aucune de ces choses. Ce n'est pas écrit dans l'Écriture. Oh, vous dites, qu'est-ce que cela veut dire, 28-19? Maintenant, nous avons passé sur cela une douzaine de fois. C'était une issue où Jésus a dit, « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. » Cela a-t-il jamais été mis à exécution? N'y a-t-il jamais eu une personne baptisée de cette façon? Pas une. Alors il doit y avoir quelque chose de faux quelque part. Certainement, c'est le catholicisme qui l'a fait. Trouvez si cela a jamais été dans l'histoire jusqu'au Père Prénicéen, vous les historiens. Lisez les livres des Pères Prénicéens et voyez que jusqu'au roi d'Angleterre, ils ont tous été baptisés au nom de Jésus-Christ jusqu'à l'Église catholique. Et l'Église catholique a de la puissance. Ils disent qu'ils changent tout ce qu'ils veulent. Et ils veulent baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Martin Luther le fit sortir, John Wesley le continua, Alexander Campbell vint avec cela, et John Smith et l'Église baptiste continua. Et voici le mouvement de Pentecôte, encore avec cela. Mais l'heure est venue. Observez les chandeliers comme nous avons vu hier soir. Le premier chandelier, c'est la lumière. Il devint plus sombre, plus sombre, plus sombre, jusqu'à ce qu'il passe les 1500 ans d'âge sombre. Alors il commença à se rallumer, et juste avant le dernier âge de l'Église, elle s'allume de nouveau. Et entre les deux âges de l'Église, la lumière vient.
suivez l'écriture de l'église d'Éphèse, l'église de Thessalonique, jusque dans l'âge sombre, chacune d'elles. Il dit, tu as peu de force, mais tu n'as pas renié mon nom. Et l'église suivante, tu as fait quelque chose de grand, mais tu n'as pas renié mon nom. Suivez les pères prénicéens jusque-là, tu n'as pas renié mon nom. Alors 1500 ans d'âge sombre, alors l'église luthérienne arriva. Il dit, tu n'as pas mon nom, mais tu vis de ce nom-là. Ce n'est plus Jésus, mais Luther, catholique, baptiste, presbytérien. Vous avez un nom dont vous vivez. Oh, nous sommes une église vivante. Nous prospérons, nous avançons. Mais vous êtes morts, dit l'Écriture. Car il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel parmi les hommes par lequel les hommes seraient sauvés. Pas les baptistes ne vous sauvent pas. Les presbytériens ne vous sauvent pas. Les catholiques ne vous sauvent pas. Jésus vous sauve.